Vous me tendez deux perches. La première, quand vous avez fait référence à la légitimité religieuse, et là, je discute avec des gens du peuple tunisien, et ils me disent, Silbeji, bravo, il a toujours la citation juste, le verset juste, le hadith est juste, c'est extraordinaire. Est-ce à dire que ces mouvements d'islam politique ont réussi dans l'imaginaire collectif à faire un hold-up sur l'appartenance de la référence religieuse et à en faire un monopole? Ils ont essayé, mais ils ont échoué. Parce qu'il y a quelque chose de nouveau en Tunisie, il y a une société civile très active. Et surtout, où la femme tunisienne joue un rôle important. Ça, on le doit à Bourguiba. Parce que ce que la Tunisie a obtenu de mieux, a fait de mieux, c'est d'abord la généralisation d'enseignement depuis 50 ans. Et c'est aussi la libération de la femme. Depuis plus de 50 ans, et actuellement, la femme tunisienne occupe dans le paysage politique une place quasi égale à celle de l'homme. Et garantie. Absolument. Donc c'est ça qui a fait échouer les tentatives d'islamisation. Le peuple tunisien est un peuple musulman. Et moi, je suis profondément musulman. C'est-à-dire, il n'y a pas de problème. Mais je ne suis pas islamiste. Il y a une différence entre l'islam... Vous n'êtes pas un adepte de la pensée politique islamique. Dans ce cas... Et d'ailleurs, pour votre information et l'information de vos... Téléspectateurs. Téléspectateurs, je suis celui qui, lors du G8, qui s'est tenu à Deauville il y a quelques deux ans, trois ans, j'ai prononcé cette formule, l'islam n'est pas incompatible avec la démocratie. Il n'est pas incompatible avec la démocratie. Mais l'islamisme, c'est une autre chose. Et ça a été repris d'ailleurs avec des responsables français en poste aujourd'hui. Oui.